Alors quand je vous dis que vous connaissez le Saint-Esprit, vous dites non. Ah, Jésus-Christ est le Saint-Esprit. Il demeure, quand il demeure, quand il demeure avec vous, Jésus-Christ demeure avec vous. Matthieu 28, 20. Voici, je suis avec vous tous les jusqu'à la fin du monde. Et il sera en vous. Vous savez pourquoi on dit il sera maintenant? On conjugue le verbe être au futur. Parce que quand il va remonter au ciel, hein, il va descendre selon acte 2 en esprit. Et c'est lui qui va faire les œuvres. Il dit, le monde ne peut pas le recevoir. Qui? Jésus-Christ. Hein, ne le connaît point. Qui? Jésus-Christ. Ne le voit point. Qui? Jésus-Christ. Mais vous le connaissez. Bien sûr que oui. Jésus-Christ est parmi les apôtres. Il est parmi les apôtres. C'est lui qui parle. C'est lui le consolateur. C'est lui. Il demeure car il demeure avec vous. Alors, si vous le connaissez, qui est le Saint-Esprit, voilà, il demeure avec vous. Alors, si je sais que il y a combien de verbes? Il y a le verbe connaître, hein? Le verbe voir, le verbe demeurer et le verbe être. Hein? J'ai compris par cela que Jésus-Christ est le Père, il est le Fils, il est le Saint-Esprit. Et ses apparitions, il fait ses apparitions sur différents aspects. Hein? Les apôtres connaissent le Saint-Esprit. Les apôtres voient le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit demeure avec eux. Et le Saint-Esprit sera en eux. Parce que Jésus-Christ ne peut pas je dirais, entrer à l'intérieur des apôtres physiquement. Il doit remonter au ciel, hein, et après il doit revenir pour habiter en esprit. Voilà pourquoi on appelle le Saint-Esprit, parce qu'il n'a ni os ni chair. Et le verset 18, il dit, je ne vous laisserai pas orphelins. Voilà pourquoi je dis qu'il n'y a pas un autre comme Jésus. Il était comparable. Il était comparable. Allah vous laisse orphelins. Mohamed vous laisse inférieur. William Marion Balam, Charles Russell, hein? William Miller ou Ellen White vous laisse orphelins. Mais Jésus-Christ de Nazareth ne laisse personne. Hein? Ne laisse pas ses enfants orphelins. Hein? Il dit, je viendrai à vous. Quand est-ce qu'il va venir à eux? Le jour de la Pentecôte, chers téléspectateurs. Parce qu'il a la responsabilité hein, de faire le baptême du Saint-Esprit. Et de fait, puisqu'il est le Saint-Esprit, il va se distribuer. Il va se distribuer lui-même dans la vie de chacun de nous. Vous voulez comprendre ça mieux? Colossiens 3:4, il dit, quand Christ votre vie paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Hein? Vous paraîtrez aussi avec lui, parce qu'il aime ma vie. Je l'aime, c'est mon roi, Jésus-Christ de Nazareth, c'est mon Dieu véritable, le seul et vrai Dieu, c'est Jésus-Christ. Le texte continue pour dire, encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus. Regardez bien le verset 20, le verset 19. Hein? Encore un peu de temps, le monde ne me verra plus, parce qu'il ira au Père. Mais vous, les apôtres, vous, les disciples, vous me verrez. Car je vis où? En vous. Colossiens 3:4. Quand Christ, votre vie paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Je vis en vous. Je vis en vous. Je vis en vous. Hein? Puisque je vis en vous, et vous vivrez aussi. Vous vivrez. Parce que Jésus-Christ est ma vie. Quand Christ, ma vie paraîtra, je paraîtrai aussi avec lui dans la gloire. Parce qu'il est ma vie. Hein? C'est extraordinaire, c'est inexprimable, c'est comme il dit, je l'ai trouvé, le bonheur ineffable, hein? je suis sauvé, oh joie inexprimable, tous mes péchés sont effacés, hein? Le sang de Christ me lave, les jours des larmes sont passés, je ne suis plus esclave, parce que Jésus-Christ vit en moi, il est mon roi, je l'aime, je l'adore. Hein? Il est tout. Colossiens 1, le verset 18.
Colossiens 1, le verset 18. Non, il faut que nous lisions Colossiens 1. Hein? On va faire une petite, une courte lecture dans Colossiens 1. Hein? Ne lâchez pas Jean 14. Hein? Nous allons lire Colossiens 1. Hein? Colossiens 1. Hein? Regardez, Colossiens 1 à partir du verset 14. Hein? Lis attentivement. Si vous lisez mal, vous comprenez, vous allez comprendre mal aussi. Mais si vous lisez bien, vous allez comprendre bien, selon l'Esprit. Verset 14, Colossiens 1. En qui nous avons la rédemption, Jésus-Christ de Nazareth, la rémission des péchés, en Jésus-Christ de Nazareth. Il est l'image du Dieu invisible, bon Dieu m'paouéa, hein, mouel non Jésus-Christ, c'est Jésus-Christ qui est lié, c'est lui qui bon Dieu, hein. Le premier né de toute la création, car en lui ont été créées toutes les choses, en qui? En Jésus-Christ, qui sont dans les cieux sur la terre. Les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. La dernière phrase, chers téléspectateurs, tout a été créé. Alors, quand on voit le verbe créer, on voit créateur. Celui qui a créé est un créateur. On dit, hein, les cieux, la terre, les visibles, les invisibles, les trônes, les dignités, les dominations, les autorités. Tout a été créé par qui? Par Jésus-Christ de Nazareth. Par lui et pour lui. Jésus-Christ est donc le créateur. Les témoins de Jéhovah, comprenez ça et croyez-le. Vous comprenez bien? Jésus-Christ est le créateur. Je le confesse. Il est le créateur. Hein? Il est le créateur des cieux, de la terre, des visibles, des invisibles, des trônes, hein, des dignités, des dominations, des autorités. Il est le créateur d'Obama, il est le créateur d'Hollande, il est le créateur de Vladimir Poutine, il est le créateur de Martelly, de tous les chefs d'État. Il est le créateur de toute autorité, toute domination, de tous les chefs militaires. Hein? Il est le créateur de toutes les visibles, les invisibles, c'est-à-dire sous la terre, il est le créateur. Sur la terre, il est le créateur. Hein? Dans les cieux, il est aussi le créateur, chers téléspectateurs. Est-ce que ça, ce n'est pas une parole entièrement digne d'être reçue? Jésus-Christ est mort pour le péché, pour les péchés dont moi je suis le premier. Oui, je suis le premier. Le verset 17. Il est avant toute chose. Qui? Jésus-Christ. Voilà pourquoi on dit le premier-né de toute la création. Pourquoi? Parce qu'il est avant toute chose. Il est avant la création. Il est avant les cieux. Il est avant la terre. Comprenez, ce n'est pas difficile à comprendre. C'est normal qu'on dise qu'il est le premier-né de toute la création parce qu'il est avant toute chose. Chers téléspectateurs, et toutes les choses subsistent en lui. Il contrôle tout. Dieu l'a gardé pied chaque monde. Hein? Et on dit le verset 18, il est la tête du corps de l'Église. Maintenant, vous allez comprendre, c'est Jésus-Christ. Il est le commencement. Hein? Comme dit l'Éternel dans Ésaïe 43, le verset 10, 11, 12, 13, 14. Hein? Il est le premier-né d'entre les morts. Il est le premier de la création, le premier d'entre les morts. Vous comprenez cela? Afin d'être le premier en tout. Ce n'est pour rien. C'est pour qu'il soit le premier en tout. C'est pour que quand vous prétendez, hein, ne pas croire en Jésus-Christ, quand vous prétendez qu'il y a un autre Dieu, vous allez courir à gauche, vous allez frapper en Jésus-Christ. Vous allez courir à droite, vous allez frapper en Jésus-Christ. Vous allez courir devant, vous allez frapper en Jésus-Christ. Vous allez courir en arrière, vous allez frapper en Jésus-Christ. Vous allez voler, monter Jésus-Christ. Vous allez descendre Jésus-Christ. Parce que le séjour des morts est lumière. La ténèbre sont lumière pour lui. Vous ne pourrez faire nulle part. Parce que Jésus-Christ est partout, il est tout. Et vous êtes en lui. C'est lui qui contrôle. Hein, ou ap kou ou pas connaître Jésus-Christ c'est Dieu lié ou peut-être ou pas frapper dans mien kou ou pas le croire Jésus-Christ c'est le Dieu véritable là peut-être ou pas frapper kou ou kou ba si c'est Jéhovah ou cherchons Jéhovah ou non Jéhovah ou ben ou pas que l'autre Dieu et pas Jésus-Christ peut-être ou pas frapper kou ou ap kou à gauche kou ou kou à droite kou ou kou ou bouquet kou après ça ou dit bon hein m'pas connait ça pour me croire pour mourir ou perdre parce que Dieu est pas très lourd kou écraser kou pas connait dans sa Bible là chercher interprétation pour bail et puis qu'on a courir aller et puis qu'on va croire qui ça capri voler au dernier jour. Afin d'être le premier en tout.
Alors, vous comprenez le fait d'être le premier en tout. Il est le Père, il est le Saint-Esprit, il est le Fils, il est le premier-né d'entre les morts, il est le premier-né de la création, il est le vivant, il est le premier et le dernier, le commencement et la fin, l'alpha et l'oméga. Hein? Il est celui qui était, qui est et qui vient. Il est le témoin fidèle, il est le véritable, il est l'Amen, il est le lion, il est l'agneau. Il est le Fils de Dieu, il est le serviteur, il est notre ami, il est notre époux, il est le rocher, il est le roi d'Israël, il est le juste, il est le saint, il est le rocher, il est... Qui encore? Hein? Il est le Fils de Dieu. L'étoile brillante du matin, le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David. C'est lui, Jésus-Christ. Il est le consommateur de la foi. Il est celui qui a les sept étoiles. Il est celui qui a les yeux comme des flammes de feu. Il est la porte, il est le chemin, il est la vérité, il est la vie, il est le pain de vie, il est le breuvage, il est la lumière, il est le cep, il est la source. Oh, il est tout alors. Il est tout. Il est omniprésent, il est omnipotent, il est omniscient. Oh, c'est qui? Jésus-Christ de Nazareth, le seul vrai Dieu. C'est mon roi, c'est mon Dieu. C'est mon seul Dieu véritable que je connais. Hein? Il est le chemin, la vérité, la vie. Il est le pain de vie. Il est la parole. Il est la lumière. Apocalypse 19, 13. Est-il été revêtu d'un habit indécent et son nom est la parole de Dieu. Il est celui... Oh, regardez ça. Apocalypse 2, 23. Apocalypse 2, 23. Regardez ça. Je vais vous faire voir cela. Apocalypse 2, 23. Apocalypse 2, 23. Regardez-toi. Regardez ça. Apocalypse 2, le verset 23. Regardez bien, je vous attends. Apocalypse 2, le verset 23. Il dit, je ferai mourir de mort ses enfants. Il dit, les enfants de Jézabel. Oui, mesdames, qui ont monté chez Pompéo, qui ont dit qu'il y a l'esprit de Dieu avec peut-être que tu te vois ou bien pas de voile et tout. Ça passe, quand il y a monté Pompé, on sait que les dames missionnaires, pour qui le temps, il y a perdu. Les gens qui ont joué dans tes petits bébés, ils ont mangé devant, ils ont joué. Ouais, ils ont mangé devant mon petit bébé, ils ont pipi là-dedans, ils ont tout là-dedans. Ils crachent, ils ont là-dedans, les petits gens qui ont joué, pour qui peut. On comprend parce que la parole de Dieu contre ça, alors pas qui est-ce qui va le supporter ou bien quoi le croire son barré qui vérité. Tant nous avons perdu, nous connaissons tant nous avons perdu parce que nous pas appliquer sa Bible à dire. Et c'est la Bible qui peut dire. C'est la Bible qui peut écrire. Avec autant d'un leader, je ne vais pas dire nom de Dieu, mais autant d'un leader, un monde qui soit disant devant une entreprise, a dit que, hein, ouais, parle que tu fais partie ou pas ceci, pas ceci, fais partie par les personnes, il ne faut pas dire par un parti politique, là, chercher monde ou bien prier monde pour venir. Frère Jean, parler les personnes, moun. Jésus-Christ, clair dans Jean 6, 44 là. Lorsque les pharisiens parlent, puis ils disent ceci, ils disent cela, Jésus-Christ dit, attendez, non, monsieur, nous ne mettons pas d'importance avec Paul m'a dit là. Ce n'est pas grave. Parce que si papa a parlé, nous ne pouvons pas venir. Hein? Ça n'a pas enseigné là, parce que c'est n'importe qui peut l'accepter. Les gens désordre accepter, ça va venir chercher. Il n'y a pas de venir là, ça va venir faire. Alors, parce que je vais venir à Marie-Moun. Ah, bin la bin bay menti en faux papier, faire toutes sortes de vieux dossiers, monter la préfecture bay menti, après ça pour dire c'est non bon Dieu pour acheter dans mitan nous, ou pas acheter dans mitan nous a bin fait. On pense y a bin ça bin fait. Y a prêt coton là, ou pas bien bay tout pour, y a pas venir. Dès pour être débarqué pour venir c'est parce que vous voulez vivre selon la parole, y a changé automatiquement. Mais autant hein, parce que marié fidèle marié deux fois, trois fois fonctionner dans le corps de Christ, non ça pas fait. Y a pas jamais venir là parce que depuis nous pas tolérer. Et l'église qui répond des autres, quels sont son corps sanctifié, son maison spirituelle qu'elle est. Dieu gagne l'ordre, l'évangile doit appliquer. Quand il s'agit pour tolérant, pour avec douceur, quand il s'agit pour sévère, pour dire ça, l'évangile dit, on dit. Et Paul dit ça dans titre 1, le verset, titre 2, le verset 15. Il dit prêcher. Et avec autorité, et que personne ne pas mépriser l'enseignement. Non. Et confier parole ça avec nous qu'on est capable d'enseigner. Pas monde qui peut le falsifier, le déformer. Ouais, il va être tout problème. Il n'y a pas de jeune frère Patrick ou bien Mbakone qui bo, ou bien l'autre frère Jean. Il n'y a pas de vin comme ça. Il faut que Christ soit au vin. Même les autres vins, il n'y a pas prêté longtemps. Il y a des ordures, il n'y a pas prêté. Il y a parti tout de suite.
Il y a des gens qui veulent lire Jean, ils depuis arrivé, ils pas depuis arrivé, ils veulent lire Jean, ils Jean, les m'ont demandé, ou bien Jean, m'a dit, l'église traditionnelle de la Mandel, ils n'ont pas qu'à là. C'est clair. Et bien, nous, quand on dit l'évangile a tout dit, pas garder comme frère. L'évangile est clair sur ça. Et depuis, on a parlé de selon parole, selon Jean Fort, ma pote là, pas garder comme frère. Pas garder comme frère. Et je comprends? On voulait dire selon Christ, on va venir. Exactement, nous n'avons pas besoin de quantité. 5 moun, 2 moun, 3 moun, 4 moun, service à fait. On a adoré le Seigneur, on a enseigné. On a besoin de paquet de moun, on a pas volote. On a paquet de moun, on a mari moun, on a toutes sortes de vieux bagailles qui ne sont pas bon. Et puis, on a chanté. Comme si on a fait un paquet de bris. Et le Seigneur dit, je ne t'attends pas de soins quantiques. Je ne prends pas plaisir là-dedans parce que j'ai besoin de la droite de demeurer. Dans Amos 5, 22, 23, 24, 25. Lis, n'a pas. Hein? Je veux la droite. M'vle hypocrisie à partir, m'vle haine à partir, m'vle la justice, m'vle guette des mounes. C'est pas seulement dirigeant, c'est pas seulement pasteur là qui doit veiller. C'est tout le monde d'accord qui doit veiller. C'est tout le monde qui doit assurer que tout bagage marche selon la Bible. C'est pas seul monde qui campe et de son seul monde qui a pris tout. Son seul monde qui a campé contre. Oui, ils sont méchants qu'ils lient, ils mauvais, ils pas bon. Parce que c'est seulement lui qui a veillé. Parce que pas que l'autre monde qui a veillé pour assurer que l'évangile est respecté. Quand on a l'église, on a assemblé, rempli avec péché, on pas quand même prier pour malade pour le guérir parce qu'on pas qu'être monde qui est péché comme monde guérir dans l'assemblée. Parce que tout dans toute affaire. Et puis on pas même route même, il a bien levé mais on chanter. Non, ici là depuis mon on est ça nous pas presser. Dans la bine de toute façon, c'est si nous pas connait, la bine fait l'ambachal, nous pas connait. Mais depuis nous connait n'a dit arrêtez là, campez là. Campo. J'avais levé, mais j'ai levé, mais puis non, faites attention. Et déjà, depuis que nous parlons, nous parlons saint baiser avant, parce qu'on parle de Christ. Vous voulez marcher selon la parole, ok, on y va. Vous parlez marcher selon la parole, eh bien, pourquoi venir? Vous de la caillou? Vous de la caillou? Vous de la caillou, vous avez perdu du temps. Vous parlez appliquer la parole pour vous avez fait. Vous de la caillou? Vous de la caillou? C'est ça qui me dit que ce n'est pas la peine que nous avons quitté. Nous n'avons pas besoin de faire partie, parce qu'il ne faut pas être un parti politique. Pratique par Jésus-Christ de Nazareth, pratique son envié frère, le premier pécheur du monde, hein? C'est pas contre la vigne. Et il n'y a pas de jambes vignes tout frère, parce que ça qui a passé, il n'y a pas prêt pour observer. A une baptole, on avec pantal, on a une sorte de délige qui fait assez matin, on s'est rassemblé pour tester, comme d'a dit, mais Zimoun, toute la gueule dans mes pantalons. C'est comme si m'a dit, bon sorte de qui ça déteint sous yo. Et puis tout tombe mes pantalons parce que 13 ans pour ton message de délivrance ba yo. Ou bien je fais plus d'informations pour qu'on qui est-ce qui engendre 13 ans. Jamais au comble des 13 ans. Si c'est tellement il solisait le débat, on a comblé d'elle comme ça. On va même comblé d'elle comme ça. Il y a le détenu sous toute assemblée, malgré que y a ton petit Jean, oui. Hein? Il y a un petit applaudi, oui, mais on a une pire mal. Parce que toutes mesdames, c'est une qui a prêché, prédicateur, pantalon sous yo, yo dans le monde, t'as païen, toute trace qui l'autre, y a un pantalon sous yo, y a pas la rue, y a pas même route même. Et puis, comme on a parlé de Jésus, y a une bouche au pire. Alors, parce que les gens qui a prêché, le veille, a toléré. Non. Peu importe où il dirige, il y a des problèmes avec lui, il y a des problèmes. Mais lui-même, il a assuré qu'il fait travail avec Christ, il n'y a pas de travail pour vous. Il va travailler pour vous. Hein? Il a détenu. Frère, détenu juste ces messieurs-là. Et vous avez tout le monde là qui est en couple dans ce matin. C'est le monde qui te connaît. Au moins, tu connais un petit bagage qui est bon. Il est entré dans l'autre culture. Hein? Pour faire ça qui est contraire avec la parole. Parce qu'il dit mettez faux cheveux, mettez permanent, mettez pantalon. C'est un élément aussi. Si c'est pour ça, frère, mieux, nous ne pouvons pas inquiéter. Il ne va pas venir là. Du tout. Il ne va pas mettre pied là. Parce qu'avec pantalon, faux cheveux, bague, maquillage, tout ça là. Il va mettre de l'autre côté. Parce que nous ne pouvons pas faire ça. Non, Christ n'a pas besoin de monde. Christ a besoin de monde qui vient demeurer dans la parole, qui vient appliquer sa parole là. Mais ce n'est pas monde comme si qui vient pour faire ça, craser brise comme si Mdadou, c'est une boîte de nous, bien dans salle cinéma, ou entre l'ovle, sortir l'ovle, ou faire sauver, ou craser brise l'ovle, après ça, on vient ou à la caillou. Mais non! Son famille, son maison, il doit venir sur la gonne pour que les sortir, pour rentrer dans la caillou. Hein? C'était du soir, pas qu'à partir de la rue, parce qu'il y a une maison spirituelle, car Jésus qui est de Nazareth. Hein? On a rentré l'homme, l'eau sorti l'homme, l'eau crasé l'homme, l'eau brisé l'homme, et puis mon pas doué, laisse-moi sortir, c'est laisse-moi observer Jésus-Christ. Pas vrai? Bon vent, si vous observez Jésus-Christ, j'en ai. Ou à côté de la plaque, vous êtes à côté de la plaque si c'est comme ça. Ce n'est pas là, ce n'est pas ça l'église de Jésus-Christ. Sinon, pourquoi Paul? Hein? Pourquoi Paul serait décapité? Pourquoi? Pourquoi Pierre serait cloué? Hein? Pourquoi André? Pourquoi Jacques? Pourquoi tout le monde, tout le disciple, il a coupé, il a crasé, il a brûlé, il a vidé l'huile? Pourquoi? Alors c'est pour une vie comme ça. Jésus-Christ a été crucifié parce qu'il était un doux Jésus, mon mari, mon papa. Oh, c'est lui qui m'ont tout, mon ami. C'est pour ça que Jésus-Christ a été crucifié. Parce qu'il ne disait pas, il ne dénonçait pas les péchés, il ne dénonçait pas les choses qui sont contraires à la parole. Hein? Il dit, bon voilà, on est venu, bon comme ça. Parce qu'on a besoin de dîmes et vicieux, on a besoin de dîmes, alors on est venu comme ça, venu, c'est pas grave, venu. On met, on périt, ça n'a pas intéressé, c'est l'argent là qui est intéressé. Ici, on n'a pas besoin de l'argent, non. Nous voulons, non, nous.
faut que nous nous correct c'est travail ça nous gain pour nous faire nous pas gain pour nous ramasser là nous pas là c'est pas veut dire qu'il pas gain pas de gain l'argent non c'est pas ça m'en train de dire mais c'est sous nous nous focus oui faut cotiser pour aider frères aider sœurs assembler qui l'autre côté qui en péril aider monde qui dans mi-temps nous faut cotiser faut nous faire toute bagaille qui gagner hein si gain bill si gain toute butte famille mais c'est pas la dîme pour faire hein? Ça veut dire que là mon n'est intéressé avec quel argent et puis il pas mais la voir mais où est gain monde qui ca sorti en bas aux gens hier il pas ca sorti non seulement il y a des ordres il remet des ordres il veut être côté gain des ordres il y a pas prêt pour servir Jésus qui gain monde qui dit pas d'accord avec frère Patrick c'est pas parce que ça le dit pas vraiment pas prêt alors pourquoi gain problème avec frère pourquoi gain problème pourquoi raille mal ouais ça m'a dit à vrai hein alors c'est pas la peine pour dévouer écraser briser c'est pas la peine 100% évangélique bon Dieu bénis. Bonjour frère Patrick. Bonjour Benou, comment vous êtes? Moi bien. N'attendez-vous? J'ai besoin pour éclaircir sur l'habillement. J'ai besoin pour dire, dans le temps Jésus, est-ce que mon yoté qu'on mette costume, cravate, tout ça? Merci. Ok, d'accord, pas de problème. Comme son parenthèse qui l'ouvre, n'a pas dit deux mots sur ça, et puis si vous voulez que m'éclaire sur pi bien avec le raisonnement que vous menez dans moi, laisse ça ou cap prendre mit mais au téléphone moi et puis m'a bin la caillou m'a cap éclair sous bien d'accord m'a cap bin éclair sous bien et puis ça que m'a dit ou sur moi sous ça on m'a dit est-ce que sous temps Jésus yo te conn costumé non yo pas conn costumé sous temps Jésus parce que dans évolution temps sur moi les choses ont changé et c'est ça que fait maintenant on gain le mariage homosexuel qui a fonctionné là comme normal devant Dieu tout le monde et que tout le monde honoré. Et puis, Mabdou en consomme, dans le temps Jésus, tu as deux tuniques et différents, ce pas. Et deux tuniques différentes, ça, comme des gens qui ne lisent pas comprendre. Parce que si la Bible dit femme n'a pas de mettre habillement garçon, c'est que habillement femme n'a distingué de habillement garçon. Ok? Li distingué de habillement garçon. Ça veut dire là, il dit femme n'a pas mettre pas garçon, garçon pas mettre pas femme non. Nous était clair sur partie ça là. En entrée qu'on a pour dire pantalon, jupe et corsage. Est-ce que sous temps Jésus t'a gain jupe corsage, j'en nous gain kounia? Non. Mais avec l'évolution, il fait jupe corsage pour femme et il fait pantalon pour garçon. On a soubé se confirmer ça me dit on met aller juste pour payer un billet d'avant elle en Soudan. Et puis, met ton pantalon, elle présente devant mon nous, poche, pas bé, pas bon 40 coups de fouette. Comme il n'y a pas occupé, parce que les gens comme les gens, ils changent de la toute loi, presque ils finissent accepter tout le bagage, il n'y a pas bon 40 coups de fouette là. Parce que les gens qui comptent contre la parole, c'est parce que non seulement ils n'ont pas obéi avec la parole, ils n'ont pas fait l'histoire tout. Elle fait l'histoire. Chercher origine pantalon côté de sortie. Et qu'on a question m'a posé, pourquoi le monde. Pour la préfecture t'autorise yon femme mettre un pantalon, pourquoi faut te yon arrêté préfectoral? Pourquoi pour femme te mettre un pantalon, faut le pour permis la préfecture qui dirait 3 mois? Pour qui ça? Puisqu'elle était bon. Si le monde te welcome comme ça, et pour l'église, chère sœur, hein? Et pour l'église, hein? Mais quand on a tout le monde mettre pantalon, c'est facile. Mais dans toute l'église protestant, catholique, tout orthodoxe, anglicane, tout marié homosexuel, c'est normal. Hein? C'est normal. Ou vous le mettez pantalon, mettez pantalon. Ou pas le mettre ou pas mettre. On va gagner seulement les gens qui dans l'église de Jésus qui ont respecté le procès, ils pas accepté, ils pas là. L'évangile dit pas reconnaître comme ça. Ça va dire qu'ils mettent au dé, pousser deux ou non. Ils ont venu, mais nous pas reconnaître comme ça. Nous pas reconnaître comme frère parce qu'ils pas appliqué la parole. Hein? Ou n'a pas besoin, besoin de faire, retourner. Si vous parlez quoi sa Bible a dit, ou pas le. Attends, s'il vous plaît, attends. Si vous parlez quoi sa Bible a dit, retourner dans l'histoire pour origine pantalon, origine jupe à cossage. Parce que si un garçon met un jupe à un corsage sur moi, après l'amour, on va dire, oh, Kademi se mette jupe, Kademi se mette corsage. Mais si on fait un pantalon, ça va faire. Parce que yo dit que yo fait pantalon fille à pas. Est-ce que fille a un braguette? Fille pas de pénis pour le pipi, mais yo met un braguette pour fille. Alors fille après le désir de braguette pour le pipi. Mais frère, monsieur, yo, bon Dieu béni, yo, bon Dieu béni, yo. Bon Dieu béni, frère. Oui, n'attendez au nom de Jésus-Christ. Premièrement, je ne crois pas qu'on l'église protestante qui marie homosexuel. Non, enfin, comme si on ne fait pas information, on doit dire ou pas quoi. Pourquoi dire ou pas quoi? Il faut vérifier avant. Frère. Est-ce qu'il y a un qui bosse à fête, s'il vous plaît? En Allemagne. Non, qui l'église? Et si vous voulez ma transfert vidéo là-bas, d'accord, je vais vous donner au téléphone, je vais vous préviens.
comme c'est pas ça m'a traité là et pas ça m'a dit bon c'est ça que fait voilà d'accord d'accord m'a vu sur ça dit OK pas de problème et est-ce que à ton avis pantalon qui fait pour femme yo par exemple si nous prenons un baggy est-ce qu'on croit qu'un garçon qui met un baggy sous lit pour elle-même la en femme un garçon qui met un baggy qui met un pantalon femme qui met un mais femme baggy pantalon frère on met pantalon frère non femme baggy pantalon diable la femme baggy pour le bord li maquiller le bas frère mon baggy pantalon femme baggy pantalon est-ce qu'elle a femme qu'on pénis pour le pipi ou elle a une braguette devant monsieur Patrick m prêt pour m'acheter pantalon et porter le pour sous mettre le mat de dommage sous si mettez le quoi ça fait non de vous mettez le quoi là non sous mettons jupe bam moi m'a mettre le maintenant jupe en cosa et bam plutôt non pas quand même jupe en cosa parce que mon garçon pas doit mettre de femme oh ou quand garçon pas doit mettre de femme mais son jupe en cosa pour mener bam moi pour mettre sous d'accord que vous ca mettez pantalon mesdames m'a fait quoi sous pas d'accord bye vague mais mesdames vous pas gain pantalon frère Ou pas faire histoire et tout dans l'histoire. Aller chercher histoire dans l'Angleterre, origine pantalon, on va comprendre frère. Et pantalon. Tu parles quoi dans la Bible? Origine pour que ça pantalon pas fait pour femme, c'est pour garçon le fait. Non. Avec évolution. Même dans grand mon Haïti yo, m'a demandé si femme te qu'on mettre pantalon dans l'année 80, hein, dans l'année 70 yo. Mais à l'époque pourquoi que pantalon femme? Au fait que ça dit temps évolué. Ça pas qu'admettre. Ah mais oui, qu'on a ça pas comprendre besoin pour vous et pourtant est bien maintenant. C'est que dans l'évolution du temps, il fait pantalon et jupe avec ça. Pourquoi dit pour femme? Non, c'est pour dire. Ok, kuna, après, il finit faire pantalon, retourne pour un français qui commence à faire pantalon femme, pour qui il le fait? Non, l'évolution du temps. Quand pas finir évoluer, non? Est-ce qu'on sont chrétiens? Faut pas penser temps lire. Est-ce qu'on sont chrétiens, frère? Est-ce qu'on sont chrétiens? Vas-y, bon, tout. Est-ce qu'on sont chrétiens? C'est une question de poser. Est-ce qu'on sont chrétiens? Laisse ça, t'es une évolution, t'es venu changer. Est-ce qu'on sont chrétiens, Mando? Est-ce qu'on convertit? Moi, c'est chrétien. C'est pas chrétien. Bah, est-ce que tu as basé sur là ou tu as basé sur le raisonnement? Bon, peut-être que tu as consacré. Et vous ne pouvez pas appuyer le monde là tout. Vous ne pouvez pas appuyer le monde là? Non, vous pouvez raisonner, mais bon. Pendant ce temps, si vous avez dit évolution temps, pour changer tout le bagage, bon, comme évolution temps pour homosexualité? Pas fait ça. Ça, c'est vous qui avez vu Navel. Ah, c'est moi qui avez vu Navel? Non, non, pas fait. Moi, évolution temps pour négocier que pèse ses oreilles, même dans l'église protestante, pour négocier que pèse les oreilles, vous pèse. Frère, que bon Dieu bénou. Que bon Dieu bénou. Amen. Je ne sais pas si tu as fait pantalon, il y a bon sens, ou qu'on y soit bien, ou qu'on origine. Ou vous voulez mettre pantalon, frère. Que bon Dieu bénou, papa. Seulement, ou qu'on est le message après, chaud, tendez. Que bon Dieu bénou. Chers téléspectateurs, nous allons continuer. Elle dit, si vous voulez mettre pantalon, mettre pantalon. Ça, c'est lui-même. Achetez raisonnement. Tout le monde connaît pantalon, c'est pour garçon, le fait à deux pieds longs. Il y a une braguette devant pour zipper. Garçon, quand il y a le pipi, ça fait une braguette. Devant, il dézipe pour le pipi. Femme dans ça le fait, comment le pipi? Baisser le baisser. Ça le gagne, il y a une jupe. L'aile baisser, jupe la tonne, il courit, et puis le pipi. Personne ne peut pas porter ta nom là. Ok? On est avec évolution. Diable, les mains non bien, puisque le mauvais, le pagan, puis le temps. Et bien, il fait pantalon bon, pour la mesdames, tout tout ni. Parce que déjà, on dit pantalon, son habillement révolutionnaire qui est lié. Alors, on est habillé une comme une plaquette, bon Dieu, bah, il mette le pantalon pour capable. Alors, on dit, moun, ça y est, moun, ça y est, moun, Chris, frère. Il n'y a pas moun, Chris. Bon Dieu bénis, 100% évangile. Bonjour. Bon Dieu bénis. Eh, nous capalons Paul, pourquoi capalons? Parce que bon Dieu tenait nous pour nous te marcher en bois fleur devant nous, pour nous tous te marcher. L'homme, on a approché comme ça, ouais, on capalons de Paul, ça, il y a plus Satan que nous. D'accord. Ok. Ok, bon Dieu bénis. Alors, nous avons un texte d'après lui, avant nous relayer, en lit en Apocalypse 2. Le verset 23, ça pousse à l'évangélique, bon Dieu bénou. Ça peut pas dire. Bon Dieu bénou, frère. Moi, je fais pas. Eh bien, avec Jésus, nous là, nous puissants. Merci à Dieu. Bon, moi, je vous remercie. Excusez-moi. Oui, raison qui fait me relayer, c'est juste concernant frère qui se. Ah bon, pardon. Concernant monsieur qui souhaite relayer, qui parlait concernant les pantalons de filles et les pantalons de garçons. Mm-hmm. Comme nous connaissons la Bible, défendre qu'une fille doit être mise par dans le soleil. Exactement. Donc défendre, ce n'est pas vous qui défendez, ce n'est pas l'autre, l'église qui défend, c'est Jésus qui défend ça dans la Bible. Amen, serviteur, amen. Ou elle, même si vous êtes pasteur qui accepte qu'une fille mette par dans le soleil, elle accepte que la fille a mis des faux cheveux, elle connaît ça pas bon.
Li konnen pa voye la peri avec tout yo même parce que comme li dit dans Jacques 3, moun ka pense ni a juger plus sévère que moun ki demande. Amen, amen frère. C'est clair. Dit c'est pas konnen pa konnen ça, ça c'est moun yo qui a fait l'église plus. Oui, c'est juste là, dim yo besoin pas mais là avant, c'est tout. Ou assemblé des pour mener dim ou mener offrande ba yo, mener ça yo besoin la bill yo payer, yo pas qui ensemble avec yo pas qui pour nom yo qui. Amen. Que yo jwenn ça yo besoin. Amen, serviteur, amen. Yo moun ki campé pour dire ça cap défendre pantalon, ça tout fille pantalon. Et ça que moun si c'est chrétien serviteur, mande est-ce que son moun ki converti? Ça c'est pas même nous te même besoin poser question pour te dire quel c'est ton frère ou tes gars ouais ça c'est pas un frère lié.